Docteur, il est là, c'est le deuxième, pas le deuxième, à gauche. C'est vrai que tu mets toujours au paddock tout le temps. Oui, oui, bah c'est depuis qu'il a 3 ans, il a tous mes chevaux, ils vont au paddock tous les jours, donc on change rien. Je pense que c'est important de rien changer. C'est vrai que des fois, il part en cucu, mais après, il est assez calme, tu vois bien, il est content. Ça me fait plaisir. Ça fait plus plaisir que si tu rentres direct au box, il n'a pas envie. Donc non, c'est sympa de le voir comme ça, il s'amuse, ils sont tous assez calmes, à part son copain là, petit 3 ans. Donc ouais, il a l'air d'être bien. Et comment s'est passé l'hiver alors? Très bien, il a bien, il a passé un mois ici avec Grandiose pendant le mois de décembre, et puis dès janvier on a repris le travail gentiment, on a remonté le travail. Il a bien couru pour sa rentrée, donc là on remonte le boulot fort pour qu'il soit prêt pour dans 10 jours. Alors c'est quoi le travail quand tu dis fort? C'est-à-dire que tu as commencé il y a quelques semaines déjà? Oui, voilà, donc après la course, il a passé 2 semaines assez calme. Et ça fera quand même un bon mois qu'on remonte les boulots, qu'il souffle bien, que ça soit sur une longue distance et que le cheval il soit vraiment prêt pour le jour J. Mais aussi en bonne forme, que ça soit bien petit à petit, qu'on fait crescendo sur la course. Et toi, la pression, est-ce qu'elle monte un peu? Oui, un peu pour qu'il reste sain et sauf. Mais après, pour moi, le résultat de la course, j'ai beaucoup moins de pression que l'année dernière. Où, je pensais qu'on n'avait pas encore fait ce qu'on voulait faire. Donc c'était maintenant, il a tout gagné. Donc il y a moins de pression pour ça. C'est surtout une question qu'il soit bien, qu'il puisse faire de son mieux. Bien sûr. Et le jockey est décidé, ça sera le même? Comment ça oui, 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 on va garder Bertrand, absolument. Il a très bien monté. Il le monte très bien, il lui va bien. Et voilà, quand tu as gagné 2 groupes 1, je pense que tu as le droit de remonter le cheval. Il vient un peu travailler le matin, comment ça se passe? Pas vraiment. Il a sauté une fois cette année avant sa rentrée. Et il va peut-être venir la semaine prochaine, mais c'est pas sûr, c'est lui qui décidera. Mais l'année dernière, entre le grand Stipe et l'Aïe Juslin, il n'est pas venu. Donc il nous laisse travailler. Donc, c'est pour lui à décider.